De la houle en baisse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence avec un temps qui est variable à dégager, fresh. Température extérieure à 6 degrés. La température de l'eau est à la bêche à 17-16 degrés. Cet après-midi, un temps ensoleillé, une température à trèche. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 8h20 avec des coefficients de 76. Sur cette descendante, le vent est offshore avec un secteur est-nord-est. Il est modéré. Il y a deux beaufort établis, des rafales à 3. Le plan d'eau est ridé. Les phases de vagues sont ridées. La houle est plus propre qu'hier, mais encore multipique. Longue avec 10 secondes de période orientée. Ouest-nord-ouest, nord-nord-ouest, c'est bien tombé par rapport à hier. Il y a 50 cm en déferlement régulier, 70 cm sur la majorité des séries. Des fois, sur les grossettes, on n'est pas loin d'un petit 80, mais il n'est pas vraiment là. C'est plutôt souvent 50-70. Petite vague, facile d'accès, praticable pour tout le monde. Multipique, pas super calé. Alors, la gauche au bord, elle est riquicouille, elle est naze. La droite au large du banana, là-bas. Des fois, il y a des pics un peu plus consistants qu'ailleurs et il y a des bouts qui arrivent à passer. Et du côté de la centrale, c'est là où on voit les meilleures vagues. Certes, c'est mou, mais ça fait un joli petit pic qui arrive à dérouler en droite et en gauche. Vous allez le voir en fin de vidéo, ou peut-être un peu plus tôt, j'espère. Et il y a quelques vagues à attraper. Bon, la note générale, ça vaut quoi? Ça vaut 0,5 sur 5. Mais du côté de la centrale, là, ça vaut un peu plus, ça vaut 1,5. C'est surfable en petite planche. Hein. Il y a des petites vagues propres, je suis désolé, vous allez voir la vague en fin de vidéo là. Donc il n'y a personne à l'eau, il n'y a personne qui check. L'évolution pour le reste de la journée, c'est en train de houler en légère baisse à la mi-journée qui regrossit en soirée. Indice de confiance faible pour la taille en fin de journée parce que c'est la lutte entre le vent offshore et la petite houle. Est-ce que la houle va arriver à passer ou est-ce que c'est le vent offshore qui va l'amortir? Les prévisions à 13h, c'est légère baisse 50-70 cm max. Houle ouest-nord-ouest à ouest 10 secondes de période, vent est-nord-est 3-4. Et à 17h, ça doit regrossir vers 50 à 80 cm. Houle ouest-nord-ouest à ouest. Là voilà la vague, pardon. 15, je croyais que je l'avais filmé plus souvent. 15 secondes de période, vent de nord-est 3 à 4 beaufort. Bah, y a des vagues toute la journée, mais attention, méfiate à la marée haute. Là. Avec la marée haute, il y aura quelques spots qui fonctionneront, mais beaucoup qui seront inconsistants. Je pense qu'il faut surfer avant le plein haut et après le plein haut. Le prochain point, il est tout à l'eau.